Et les élections, c'est un rendez-vous citoyen. Ce n'est pas un rendez-vous avec la mort. Ce n'est pas un rendez-vous avec la violence. Et oui, asseyons-nous et discutons pour que Dieu nous parle. Bonjour les amis, bien réveillés, j'espère. Ben, on va parler de Kwadio Konan Bertin di Kakabe. Les amis, Kakabe a été convoqué. Oh, il a été convoqué le jeudi, oh, les amis. Kakabe, celui-là même qui est le seul opposant contre le président Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit, Kakabe, actuellement, il est partout. France 24, oh, voilà Kakabe. TV 5, oh, voilà Kakabe. Afrique Média TV, oh, voilà Kakabe. Ceci, oh, voilà Kakabe. Il est partout, les amis. Pourquoi? Parce que c'est le seul, oh, qui n'a pas suivi, a fait des désobéissances civiles, oh. C'est le seul qui n'a pas suivi l'opposition, oh, les amis. Pourquoi il ne suit pas? Les gens disent que, ah, on lui a donné l'argent, oh. Et c'est pas n'importe quel agent, mais ah, on lui a demandé, il dit c'est faux. Ils ont même demandé à Atama Big Togo aussi, il dit c'est faux, écoutez Atama Big Togo. Il n'a pas donc la maturité, le sens de la responsabilité pour vraiment avoir des ambitions. Et c'est arrivé là-bas, ou bien papa de la même personne, mais c'est Atama Big Togo, vous êtes en train de parler de qui? Vous parlez de qui? Vous parlez de Kakabe ou bien qui? Je l'ai écouté, je l'ai vu s'exprimer, je ne ferai pas de commentaires. Parce que Guillaume Soro, lorsqu'il parle de la tenue des élections, Mais moi, il parle de Kakabe, vous êtes en train de parler de Soro Guillaume. Vous allez répondre, tu as fait des Kakabe, il a l'argent, là, c'est quelque chose, c'est comment? Il veut créer une psychose qui n'en est pas une. Parce que cette élection, elle aura lieu le 31 octobre, et elle se fera sans lui. Il viendra en Côte d'Ivoire pour répondre devant la justice. Pour l'heure, Guillaume Soro n'est pas notre préoccupation parce qu'il n'est pas candidat. Laissons affaire de Soro Guillaume, monsieur Soro Guillaume, laissons son affaire là. J'ai dit, on dit Kakabe a reçu l'argent du RHDP. C'est comment vous dites quoi? Candidat retenu, candidat indépendant, Kwadio Konan Bertin, une certaine rumeur indique que vous avez un deal avec lui en vue de le convaincre à participer à cette élection vaille que vaille. Le concerné sur ce plateau a démenti l'information. Comment vous réagissez? Non, on n'a pas besoin de deal. Vous savez, le RHDP est un parti non seulement qui a une bonne couverture sur l'ensemble du pays. Tiens, mes oreilles me brûlent au chocolat trop. C'est Ivoirien qui parle, wow, c'est français, c'est qui? Ah, chocolat trop, ça me brûle. C'est un parti fort de sa diversité. Parce que ce qu'il faut dire aux Ivoiriens, on veut faire planer les élections, la crise de 2010 sur l'élection de 2020. Mais nous n'avons pas le même contexte. C'est ni le même contexte juridique. Vous n'avez pas l'impression que c'est un remake? Pas du tout. Nous n'avons pas le même contexte juridique. Nous n'avons pas deux armées comme c'était le cas en 2010. Nous n'avons pas deux administrations comme c'était le cas en 2010. On ne peut pas. Parce que le sieur Soro piaille dans quelques restaurants de Paris et croire que parce qu'il piaille et que la crise de 2010 se transpose en 2020. Non, en 2020. Il y a un pays qui fonctionne, il y a des institutions qui fonctionnent, il y a un pays qui, au plan économique, a performé au point aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est considérée comme le pays le plus riche en termes de PIB devant le Nigeria. Oui, on revient encore avec affaire de PIB là-haut. J'ai dit de laisser affaire de PIB là à côté. Laissez ça. J'ai dit, affaire de Kakabe là, c'est comment? Et puis vous êtes chaud sur Soro Guillaume, affaire de piailler. Ouais! J'ai dit, à faire des Kakabe là. La réponse là, c'était rapide, on s'est fini comme ça. Vous prenez aujourd'hui, de l'indépendance jusqu'à 2012, la Côte d'Ivoire, il y a eu 2868 localités électrifiées. De 2012 à 2020, il y a eu 2500 localités électrifiées. C'est-à-dire qu'en 9 ans, en termes de ratio, le président Alassane Ouattara a excellé dans certains domaines. Plus qu'en 30 ans. Donc pour vous, en aucun cas, il n'y aura de transition en Côte d'Ivoire? Mais non. Vous en avez l'assurance? Il n'y aura aucune transition. Tchè, il n'y aura aucune transition. Ouais, au parcours de Laurent Gbagbo, tchè, où? Attends, moi, laissez pour moi, Dieu. J'ai dit, oh, pour l'heure, là, les amis, on dit qu'il y a réunion le samedi 3. Vous allez venir, on discute ou bien? Vous pensez qu'il y a encore espoir pour qu'on discute, pour voir si on peut reporter un peu les élections, là, parce qu'à faire où ça s'en va, il n'y a pas de transition, il n'y aura plus de transition, un coup KO. Attends, avant que je vous laisse partir, il paraît que à Boiflet, là, et
Les amis, il paraît qu'il y a des gens qui sont venus d'autres pays. Oh. Écoutez, écoutez, écoutez. On a bossé. Venant de partout, un peu de Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, pour eux, ils sont venus. Voilà, pour, par rapport à la campagne d'Ado. Tout ça, c'est la Mossi. Mon frère, tu parles pas bien. Tu dis quoi même? Ils sont venus faire quoi? C'est qui? Ils sont venus faire quoi? Faut bien parler, parle fort. Tu parles, on n'entend rien. Ils sont venus soutenir leurs candidats, leurs papas, leurs parents. Soutenir comment même? Soutenir quand et où? Tu vas pas me dire que tu es en train de parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours seulement là. C'est de ça que tu parles à boifler là ou bien c'est quoi? Faut bien parler. Donc nous sommes à la fin de la visite. La visite d'État est finie. Ouais. Oh, mais ça veut rien dire ce que j'ai vu là. C'est pas beaucoup de bus, ça, ce n'est rien. Oh. Tu as coupé mon cœur cadeau, il n'y a rien. Et vous avez entendu, c'est pas moi qui ai dit, c'est que je suis bon. Et pour l'heure là, Kakabé, il a été convoqué par le président Henri Konan-Bédio. Il a été convoqué, il a désobéi. Puis là, c'est lui ce qui part rejoindre l'opposition. On l'a convoqué jeudi là-bas, il va aller répondre là-bas. Et on l'a convoqué. C'est que je suis, les amis, on se dit à bientôt pour plus d'affairage. Ok, oh, bye bye. Kakabé, faut faire pardon, oh, pense à ton pays, oh. On veut le report des élections, on veut plus de guerre. Soignez-moi pour qu'ensemble on demande le report. Cet appel qui invite tout le monde à un meeting le 3 octobre au stade d'Anono. Ensemble, acceptons de perdre des mois pour discuter au lieu de perdre des vies humaines. J'ai choisi la vie et j'ai choisi le report des élections. Et les élections, c'est un rendez-vous citoyen. Ce n'est pas un rendez-vous avec la mort. Ce n'est pas un rendez-vous avec la violence. Ah, c'est un rendez-vous, discutons.